Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom sur un nouvel épisode de Starbound V4 Please Giraffe. Donc chers amis, on va essayer de faire rentrer ce bonhomme. Je crois que ça doit être celui-là pourtant, non? Alors vous voyez, j'ai fait une connerie ici. Hop, on va la régler. Apparemment c'est plus dérangeant qu'autre chose. Hop, 2, 3 et là on baisse. Hop. Ok, bah lui il se téléporte carrément, c'est cool. Bon, alors j'aimerais que tu rentres chez toi, Mouduglan. Qu'est-ce qui lui arrive? Je vais essayer de remettre des blocs sous lui, on verra bien. Ah, il ne supportait pas d'être mouillé apparemment, c'est très bizarre. On va mettre quoi? On va mettre ça, c'est pas grave. Ça passe plus ou moins inaperçu. Alors qu'est-ce que t'as à me vendre aujourd'hui? Toujours les mêmes choses, d'accord. Ok, bon. Alors, sinon, qu'est-ce que je voulais faire, chers amis, cette planète? Je voulais aussi rajouter, et donc là je suis toujours en admin et j'en profite. Téléporte. Ah, je peux pas en rajouter, d'accord. Bon, bah, on va se téléporter sur l'autre poste. Hop. Et on va aller chercher un téléporteur, chers amis. J'aimerais pouvoir me téléporter à lui de temps en temps pour voir déjà comment ça évolue, etc, etc, etc. Et j'aimerais qu'on fasse ça ensemble. Mais forcément, je vais pas avoir les pixels qu'il faut. Forcément. Pixels, si je mets pixels, est-ce que j'ai quelque chose à gagner? Non, j'ai rien à gagner. Est-ce que je peux l'acheter quand même malgré tout? Oui, je peux l'acheter quand même. Donc on en prendra un qui aille bien avec le... avec l'endroit, on va dire. Scientifique, stone, tombe, wooden. Le wooden est nul. Futuristique aussi. Brass, ça peut être sympa. Ah merde, je l'ai pas pris. Exécutive, non. Brass. En prendre deux, c'est pas grave. Beam to ship. Hop. Voilà. Et on redescend sur la planète. Alors, est-ce que ça va me redescendre dans l'endroit où j'étais? Ça, c'est une autre question. Normalement, non. Parfait. On va se déplacer, c'est pas grave. De toute façon, on est toujours en mode admin. On peut gagner du temps comme ça. C'est vraiment histoire de faire la présentation. Et ensuite, on fera d'autres petites choses. Oui, je regarde simplement si les arbres sont ceux que je cherche ou non, en fait. Parce que vous verrez, quand on va passer au niveau de l'autre biome, en fait, on va tomber sur d'autres arbres. D'autres arbres, je vais y arriver, voilà, ceux-là. Blaf, ça je m'y attendais pas. Bonjour monsieur. Voilà. Donc j'aimerais rajouter un téléporteur, voilà, ici. Hop. Et j'aimerais l'appeler marchand colo frog. Marchand colo frog. Voilà. Beam to ship. Et on est bon. Hop. Bon, alors maintenant qu'on en a complètement fini avec la colonisation, chers amis, on va passer à autre chose. On va refaire un petit peu d'explo, hein, d'explo classique. Je renlève le mode admin. Et en parlant d'exploration, il n'y aurait pas genre besoin que j'aille... D'accord, je pensais pas que j'allais faire ça. J'ai voulu tester, mais je m'attendais pas à ce que ça puisse marcher. Ouais, il va falloir que j'aille faire le plein dans un système. Donc pour ça, on va partir dans un système Fieri. On va passer directement sur l'étoile, enfin la truc. Et on va aller voir, en fait, j'ai envie d'aller vérifier, chers amis. On va aller vérifier ça ensemble. Si, quand on va sur un système Fieri, on a plus de chances de tomber du plutonium que sur un système Gentle. Tout simplement. Quelque chose de très classique. On va profiter du voyage pour ranger un petit peu notre bordel. Apparemment, ça va être plus compliqué que prévu.
Hop. J'ai un œuf, j'aimerais le garder. Hop. Parfait. Les carottes. J'ai vu que j'avais des carottes. Normalement, j'en ai aussi. Là, c'est parfait. Si je peux tout retrier derrière, c'est encore mieux. Hop. Voilà. Ça, je vais le garder. Ça, par contre, je pose. J'ai quand même 25 de plutonium ici. Ce qui pourrait nous permettre de rester en vie, entre guillemets, quelques temps. Hop, ça, je récupère. Les deux armes moisies, je les mets à la poubelle. Ça et ça, je les pose. Ça aussi, ça aussi, ça aussi. Et on est plutôt bon. On va descendre. Hop. Nous y voilà. Alors, en mode classique, on va tout simplement descendre. Hop. En ligne droite. Et comme toujours, quand on est sur un système, enfin une planète de ce style, on dézoome. On recherche le carburant et le carburant est surligné, enfin entre guillemets, est coloré. Et fluorescent, phosphorescent. Je ne sais pas si c'est phosphorescent, fluorescent peut-être plus. Aïe, ça commence très très bien tout ça. Je me bouffe déjà des coups. C'est génial. Ah, puis un bon réservoir là aussi. Ah non. Non. Bon, c'est pas plus mal. Il est facile à récupérer comme ça au moins. Hop là, on a du plutonium. Hop. Là aussi, on a une bonne quantité de carburant. Hop, on récupère tout ça. Donc ça, c'est un passage obligé, chers amis, hein, donc on va le faire à chaque fois. On le fera ensemble, on le fera peut-être à plusieurs parfois. On verra bien ce qu'on peut y faire en règle générale. Hop. Il y aura aussi à revisiter donc des astéroïdes. Il faudra que je revoie ce que je peux faire dedans en fait. Simplement. On l'a fait une fois, c'était assez catastrophique. C'est un échec en fait, simplement. On n'avait strictement rien tombé dedans. Il faudra donc que je revoie avec plus de girafes ce qui a été fait là-dedans. Au passage, je peux vous affirmer que à l'heure actuelle, donc là où l'heure où je tourne doit être le 12 ou le 13. Je vais vous dire ça tout de suite. On est le 12, jeudi 12. Les développeurs du jeu annoncent qu'ils commencent à travailler sur la prochaine mise à jour, la suivante, pas celle qui arrive en premier, mais la suivante, donc le story mode, enfin la story update. Ce qui veut dire, à mon avis, qu'on n'est pas très très loin d'avoir la combat update, la fight update, la combat update, tout comme vous l'appelez comme vous voulez. Tout ça pour dire qu'on n'est pas très très loin de l'avoir, et ce qui est peut-être une très très bonne nouvelle. Ça veut dire des quêtes générées de manière procédurale, ça veut dire plein d'autres choses de ce genre-là. Et c'est que des bonnes choses. Hop. Bon, jusque-là, on tombe pas énormément de plutonium. Ce qui est quasi vexant. Hop. On a tombé quand même plus d'un stack de liquide Arcus. Hop. Ce qui n'est pas rien, cependant, de ce côté-là. Et bon, encore une fois, le mieux qu'on puisse faire, c'est de trouver une grosse quantité de comment que ça s'appelle? De plutonium, ce serait vraiment génial. Hop. Voilà. Hop, ça je vais vider les deux, comme ça les deux vont pouvoir se faire absorber. Parfait. Bon, il reste un tout petit poil, mais c'est rien. Ah, là il y a un petit peu de plutonium par là. Ah, 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 ah.
Commence à trouver certaines quantités de plutonium assez sympathiques. On a vu un petit peu aussi par là. Là aussi. Ça reste quand même très très faible. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hop. Voilà, on va passer de passer par là. Hop. Mais non, je l'ai cassé avant. Hop. Voilà. Ça c'est fait. On va quand même se prendre un petit peu de soin. Hop. Oula. Je dois avouer que j'ai eu un doute l'espace d'un instant sur ma survie. Hop. Voilà. Aïe. Voilà, ça se passe plutôt bien. Hop. Il y en a partout. Alors. Bon, cul-de-sac. On descend. Hop. Non. Grosse quantité, je suis obligé d'aller prendre. Hop. Voilà. Hop. On est à combien de stacks? 2,5 stacks. C'est pas suffisant. Aïe. Et là, ce ne sont que des petits réservoirs, malheureusement. Hop. Un peu plus gros. C'est un peu mieux, effectivement. Là, il y en a un tout petit de plutonium. Là, je l'ai vu aussi, celui-là. Hop. Voilà. Là, on a un bon stock. Là aussi, d'ailleurs. Niveau plutonium, on en est à combien? On a 31 barres, donc ça fait à peu près 31, pardon, or, donc ça fait à peu près 15 barres. Faut savoir c'est que 10 barres suffisent. Je sais plus. Je sais plus combien de barres. Je crois qu'une barre ça fait 100. Hein. Donc 10 barres suffisent à faire un plein. Ça veut dire un truc comme ça. Hop. Ah là il y en a quelques-unes par contre. Il y a des bons stacks en dessous. Enfin des bons... Des bonnes quantités d'Hercus. Mince. Mince. Ah, j'arrive pas à la voir. Comment je vais faire?
Ça y est, je l'ai eu. Au nom de Dieu. Bon, maintenant, le liquide. Faut que je vois. On a 3 stacks. On a potentiellement un stack de plus à côté. Au moins un demi-stack, je dirais. Et je suis en train de le gaspiller comme un con. Hop. Là aussi, je vois une autre grosse réserve. Cette fois-ci, je ne vais pas tenter de gaspiller. Hop. Voilà. Je vais quand même virer quelques trucs parce que sinon je vais me retrouver bavé. Voilà. Crac. Maintenant, le tout, c'est de savoir ce que je vais retrouver d'autres grosses quantités comme ça, en remontant un tout petit peu. Ça va être plus compliqué, je pense. Oula, non, il y en avait un. Non. Ça y est, je l'ai eu. Hop. Et du talent, il n'y en a pas, chers amis. Mais pourquoi j'ai une baisse de framerate? Bizarre. Oula. J'ai vu quelque chose qui me ferait plaisir. Oula là. Hop, on y va. Ça, ça fait du bien par où ça passe, comme dirait l'autre. Hein. Hop. Alors, je vais virer ce sable-là et ce sable-là. Et le sable rose qui va avec. Hop. Donc, est-ce qu'on trouve plus de plutonium? Oui, je dirais oui, personnellement. Est-ce que cependant, c'est rentable d'aller chercher uniquement le plutonium? Je pense pas. En tout cas, pas de cette manière. Est-ce qu'il est rentable ensuite, par contre, de farmer les pixels pour acheter son plutonium? Peut-être. Il est vraiment pas cher, et comparé au temps qu'on fait sur ce genre de planète et la quantité qu'on récupère, je crois que c'est 80 le rond. De plutonium, donc bon, c'est pour moi, c'est pas mirobolant comme prix. À savoir s'ils vont pas le changer ensuite, cependant. Mais franchement, ouais, le plutonium, c'est une valeur sûre sur laquelle vous pouvez toujours. Enfin, faut pas hésiter à le prendre, même pour un. Vous avez vu, je l'ai fait. Bon, maintenant, à savoir, est-ce qu'il faut toujours aller chercher son carburant, ou aller l'acheter donc directement chez le vendeur à l'autre poste qui te l'offre pratiquement à un prix de connerie. Ouais, franchement, tiens, je serais curieux d'avoir parce que... Ah, attendez, on va aller voir un truc avant de se laisser quand même, faut que j'y pense. Je pense que là on va avoir un compte assez intéressant, on va avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7000 plus un peu plus de... Du coup on va aller sur un truc plus gros pour aller chercher les derniers 30 qui nous restent. Peut-être que par là on risque de tomber sur de la pierre incassable, donc on va pas y aller. Hop, ah bah tiens, il y a du plutonium à chier là. Hop, par exemple ici, effectivement. Hop. Je pense avoir eu ce que je voulais, parfait. Hop, maintenant on remonte. Hop. Voilà.
Tac. Voilà. Il faudra aussi que je teste quelques petites choses avec vous, chers amis. Raté. Hop. Quelques petites choses avec vous. Il faudra trouver une planète sur laquelle il pleut souvent. Si vous savez ça en stock, chers amis, une planète sur laquelle il pleut souvent, mais alors vraiment souvent, hein, je veux vraiment quelque chose de souvent, n'hésitez pas à me le dire, je serais ravi. Alors si possible, une planète sur laquelle, dans laquelle il pleut souvent, et en plus, sur laquelle il y aurait un biome arc-en-ciel avec, vous savez, la Healing Water. J'aimerais faire des essais sur quelque chose. Mais à commencer déjà, si vous avez simplement une planète sur laquelle il pleut souvent, vraiment souvent, donnez-la moi. Alors pas dans un biome particulier, enfin pas dans un biome genre marais il pleut souvent. Une planète dans laquelle simplement il pleut souvent de l'eau normale. Moi ça m'intéresserait. J'aimerais faire quelques expériences. J'aimerais éviter de mourir aussi, ce serait pas mal. Alors, on doit arriver assez haut parce qu'on retrouve la... Oh la vache, la quantité. Bon bah là par contre je vais pas la laisser passer parce que la quantité est carrément impressionnante. Hop. Voilà. Crac. Alors, où est-ce qu'est la surface? Ah, on la retrouve. D'accord, on est juste à côté du point de spawn, j'ai l'impression. Non, pas quand même. Hop, et on remonte. Bla, je me suis trompé de truc. Parfait, bon. Maintenant qu'on a une chier de carburant, on va mettre tout le carburant qu'on a pris, on va le mettre là-dedans. Voilà. J'avais pas mis de réserve supplémentaire, honte sur moi. Honte sur moi. Tant pis. Tant pis. Combien qu'il m'en reste? Un stack et demi. Ouais, c'est rien du tout. Je voulais aller voir, voilà, donc sur l'outpost. On va aller voir un truc. Vous allez voir, on va peut-être rigoler. Alors, si je ne me trompe pas. Le plutonium est égal à l'équivalent de 10 ou de 100 liquides. Il me vend une barre pour 80. Donc potentiellement, donc pour 80 pixels, j'ai 10 de carburant ou 100 de carburant. Ici... Ah, faudrait que j'aille vérifier maintenant. Merde. Faut que j'aille vérifier mes dires. 1$ le litre. Oh putain. Bon, on va faire le test. On va zoomer. Hop. Je récupère mon liquide. Hop. Je mets. Alors. D'accord, pour 80 pixels, je gagne 100 de fuel. Autrement dit, en achetant un plutonium rod, c'est plus rentable que d'acheter le carburant directement. Vous voyez le truc, chers amis? Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Donc, on va quand même aller refaire du plutonium, enfin, transformer nos minerais en plutonium. En rod, pardon. Je vais y arriver, hop, 25 de plus, c'est génial. Donc vous voyez, c'est pas extrêmement rentable à la recherche, mais à l'achat par contre c'est extrêmement rentable. Là ça veut dire que là actuellement j'ai 5 pleins en fait là-dedans. Ce qui est juste complètement épique. En fait là-dedans j'ai l'équivalent de tout ça. C'est d'une violence. D'une grande violence. Est-ce que j'ai mis quelque chose là-dedans? Des armes. Je vais y mettre ce bordel là aussi. C'est pas grave. Hop! Je vais aller ranger mon chapeau. Et nous, on va se laisser là pour cet épisode. On a fait une petite expérience sympathique au niveau du prix, donc
des différents objets. Tant pis, je vais mettre ça là. J'espère qu'elle vous aura plu cette expérience, qu'elle vous a permis d'avoir une petite idée de, donc, de comment un petit peu farmer si vous voulez pas aller donc sur les lunes. Autrement dit, il faut donc farmer les pixels et acheter impérativement le plutonium rod et pas le carburant. Pour un gain d'espace et pour un gain d'argent en fait, tout simplement. Donc voilà les amis, encore une fois, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Et je vais aller me coucher, je pense, parce que mon personnage a deux doigts de crever. Alors, oh dodo, oh dodo, oh dodo, on enlève son chapeau. Et crac. Salut les gens !